Oh, bien ou bien. Eh, hey, vas-y, nique sa mère, ils sont sérieux là. On retourne dans le bus là. Vas-y, hein. Monsieur le directeur de la prison est présent, tout le monde dans le bus et vous vous calmez. Eh, tu veux quoi, gros lard? Wesh. Wesh, bien ou bien? Eh, frère, eh, Renan, eh, eh. Eh, Abdou, descends là. Fais chauffer. Bah, c'est bon, vas-y, il va conduire. Tranquille, Abdou, tranquille. Ah, vous êtes celui qui va nous réinsérer dans la société. Vous pouvez pas demander aux flics de nous faire une remise de peine aussi? On en a marre là. Eh, chauffeur, Abdou, chauffeur. Vas-y. Monte. Amène-nous au commissariat là. Eh, la meuf, la go là, tu veux venir avec nous quoi? La tête de Ham, tu vas te faire troncher dans le bus là. T'as un bon petit boule. Vas-y, hein. Ici, l'assistant. Oh, y'a là. Vas-y, montez. Vas-y, monte là, pousse-toi. Vas-y, chauffeur. Chauffeur. Chauffeur là, tiens ta route. Appuie sur le champ. Je n'arrive pas à monter dans le véhicule. Montez dans le véhicule. Bon, je suis avec un autre véhicule. On va faire l'accompagnateur. Eh, mettez des wads à tout le monde dans la rue. Bah, eh, chauffeur là, bouge ta mère, fonce. Dépêche-toi, chauffeur là. Eh, mettez des wads à tous les enculés dans cette ville là. C'est quoi cette ville de blanc là? Tête de Ham là. C'est des villes de Bourges ou quoi? Eh, tête de Ham, tiens ton sexe toi. Derrière moi, dans le rétro là, range ton sexe. La meuf elle est derrière là, mon regard déterminé. Eh, t'inquiète pas, tu vas me sucer après. Fais quoi là, l'autre là, avec sa voiture Starsky? Tiens le regard. Derrière, t'es vénère frère. Voilà, tu me regardes là, petite pute. T'inquiète pas, mon sgeg qui va sortir. Eh, chauffeur, nique bien ta race, là, le bâtard. Ouais, tranquille, c'est bon, tranquille. Comment ça? Eh, avance là, comment ça tu t'arrêtes? Désolé, tranquille. D'accord. Eh, la meuf derrière là, écarte bien les cuisses, sale bouffonne. Elle est pilée en plus, bien, hein, franchement, elle est pilée la meuf derrière. Hein. Eh, nique la police, niquez tous vos mères. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Allez, tout le monde sort pour la visite. Monsieur l'accompagnateur, on doit venir, on doit aller où? Oui, suivez-moi, je vais parler avec les policiers. Je me présente, Jean-Christophe de Beaujolais. Je suis président, responsable et directeur de la prison de Los Santos. Voici d'anciens détenus qui sont en réhabilitation dans la société. C'est des détenus lourdement condamnés. Voilà, on vient ici pour une visite du commissariat. J'ai madame Béatrice qui m'avait dit que j'avais l'autorisation de venir avec les détenus. Ouais, donc on suit. Vous pouvez nous faire visiter votre commissariat, monsieur l'officier? Est-ce que je pourrais avoir votre certification? Car je n'ai jamais de vous en fait, je ne savais même pas que. Oh là là, il se fait rabâcher. Ah, maintenant. T'as pas de presse, frère, c'est bon. Il faut prouver qu'on existe maintenant. Quel papier là, wesh? Laisse-moi rentrer. Excusez-moi, vous êtes censé être mon directeur et je vous connais pas. Donc. Je suis pas votre directeur, je suis le directeur de la zone. On fait quoi ce Géori là? Voilà, petite check. Vas-y, on le suit là. Allez là. Je tiens juste à vous préciser, ce sont des détenus très dangereux, condamnés à de lourdes peines, des pédophiles, des meurtriers. Donc la moindre frustration avec eux, ça peut dégénérer. Donc calmez-vous. Abdou, je vous demande juste de faire la visite de commissariat. D'accord. Très bien. Bon bah je vous demande de me suivre. Ah bien, on y va là. Ah, monsieur l'accompagnateur, vous savez si on pourrait avoir les armes et tout. Silence dans les rangs et vous suivez. Calmez-vous. On vous suit, monsieur l'officier. Tout le monde est calmement en train de suivre et vous respectez les consignes et vous écoutez. Donc je vais vous laisser rentrer. Donc voici en premier lieu l'accueil du commissariat. Ah, oh, très bien, charmant. Franchement bien. Donc ici vous avez le bureau, évidemment, comme vous l'aurez reconnu, où on reçoit donc, les secrétaires qui gèrent des positions. Nous avons les appels directement ici, nous prenons les dépositions ici. D'accord. Ensuite, donc vous avez ici le bureau du commandant. Hop, donc je vous laisse entrer. Ah ouais, ça paye bien. Ouh, très beau mobilier. Essayez de cacher la bleue, monsieur. Parfait, parfait. Donc voilà, personnellement, donc moi je suis lieutenant, je suis pas commandant, donc je ne m'exprimerai pas sur le mobilier, c'est pas vraiment mon style, moi je trouve ça un peu trop. Oui, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est pour chacun mon bureau aussi, et d'une autre. Allez, il y a le dossier ici. Eh, je crois qu'il y a du bon matos, sa mère. Attendez, monsieur l'officier, je vois un nom de dossier ici. Quesada. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi alors, attendez. C'est quoi le dossier Quesada, là, ici, sur le bureau? Laissez-le passer, les gars. Alors, ça, c'est pour un citoyen un peu difficile à gérer, donc on a ouvert. D'accord. Il est sous surveillance policière avec un bracelet électronique. D'accord. Il y en a pas mal ici qui demandent des bracelets. On vous suit pour. Et voilà! As-tu vu? Et Abdou, la vie de ma mère, arrête de faire ça, gros. Tiens ta bite, frère. Donc, voici ici l'armurerie du commissariat, donc l'endroit où tous les membres de la SPD s'arment. Donc voilà, je vais pas vous faire rentrer ici car, étant donné que vous êtes prisonnier. Allez, fais toucher une arme. Je serais irresponsable de votre part, monsieur. Ça serait totalement irresponsable. Je vais toucher un bloc, ouais. Laisse-moi tirer, ouais. Donc voilà, ici c'est l'armurerie du commissariat, donc voilà, vous retrouvez toutes sortes d'armes, donc comme matraque. Que taser, avec ça, vous faites après on a de l'armement lourd comme des fusils d'assaut, etc.
Ça sent la merde étonnamment ici. Hein. Ah ouais, ouais, je... mais c'est pas moi qui a touché Théo. Bah, je n'ai rien là. Fait. Bon, monsieur, votre guitare, arrêtez de faire ce que vous faites là, s'il vous plaît. Eh, hey, Bigali, Bigali, reviens, reviens, frère, reviens. Voilà. On laisse passer, monsieur l'officier. Allez, hop, venez. Qu'est-ce qu'il fait? Je me mets derrière vous. Hey, demande à Bigali, alors, reviens, ensuite, attends. Voilà, je vais vous demander de vous calmer un petit peu, s'il vous plaît. Donc, voici ici les vestiaires donc du commissariat, donc juste ici. Très bien, oui. Oh, c'est assez grand. Oh, des jolies filles. C'est plutôt grand comme vestiaire. C'est pas mal, il y a des espaces. Que tout le monde suive, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur, je les gère. Il y a pas de souci. Et l'assistante sociale qui est derrière moi aussi est occupée. Alors, donc ici, vous avez le vestiaire du commissariat. Donc, regardez-moi le Renoir derrière. Tout le monde se change, vient prendre sa tenue pour aller en service. Et ensuite, le mec, il a une arme, regardez. Tu fais quoi là? J'ai une question, accompagnateur, j'ai une question. Tout le monde s'habille ici, c'est-à-dire que même les armes et tout, vous la récupérez. Faites comment ici en fait? Les armes, vous les récupérez là aussi ou quoi? Comment? Vous prenez vos vêtements, vous habillez ici, après vous allez récupérer les armes là-bas, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien, vous suivez pour la suite, monsieur l'officier. Non mais regarde le mec. Donc ensuite, donc c'est ça. Là où mais comment il se doute pas que ça va partir en couille? Ouais, je peux pas passer là. Accompagnateur, c'est bien franchement la petite sortie là, ça. Franchement, ça nous sensibilise un petit peu sur les métiers de la police. Désolé, j'arrive pas à vous faire entrer, je crois que la porte. Ouais, tout le monde recule. Attendez, on s'écarte. Voilà, qu'est-ce que tu fais là, frère, avec ton beat, tu vas pas passer. Non, Zarma Bigal, il est passé là. Je jure, il est passé, lui. Ouais, il a débloqué. Ah, merci, Biga. Là, c'est quoi, à droite? C'est genre une salle de quoi? On continue d'écouter l'office. Alors, ouais, je peux pas passer, moi. Ensuite, ici, vous avez la salle d'interrogatoire ou de briefing. Alors, ici, en fait, on prend les empreintes digitales. On s'occupe également de faire des briefings lorsqu'on lance des assauts. L'autre, il a son arme. Et c'est également ici qu'on prend les photos des détenus pour leur casier judiciaire et leurs empreintes digitales. Je disais que la plupart d'entre vous, ici, ont déjà leurs photos et les empreintes. Voilà, c'est ça. Et après, faut savoir qu'il y a des caméras un peu partout dans le poste. Donc, je peux passer les preuves, là. Eh, Bigal, la vie de ma mère, tiens ton ventre, ça. Et donc, ensuite, on va arriver aux cellules. Restez correct, s'il vous plaît. C'est moi ou ça? Discipliné. Alors attendez, je vais juste vous demander à vous les détenus. Ouais. Je pense que vous êtes en reconversion ou vous êtes en train de faire de la bonne conduite. Donc s'il y a des détenus, essayez de discuter un peu avec eux, d'essayer de les raisonner un petit peu. Donc, sur vous, Voilà, c'est ça. On va les recadrer là. Je le fais des fois avec les petits du quartier. Je leur dis d'arrêter de jouer avec des ballons, ça, à des cartes. Ah bah, je jure bien, la ça. Même. Et voilà. Je présente le premier. Qui s'appelle celui-là, il s'appelle Mohamed, donc voilà, je vous présente Mohamed. T'as pris un peu la piste, c'est bien ou pas, frérot? Et toi là? T'as cru que c'était une visite de zoo, espèce de bâtard? Bah oui, sale singe, ferme-la. Tranquille, ferme-la, on t'a dit. Toi, attends que je sors, je te goûte, bâtard. Un des plus gros détenus de. Ah, genre, il est là depuis longtemps. Désolé. Et ouais, t'es quoi là? Ah, il est énervé là, il veut quoi lui? Fais quoi là? Bigali, il rentre à l'intérieur et bute le singe. Écartez-vous. Passe-le là, petit singe. Voilà, il a bien fermé sa gueule. Jetez-lui des cacahuètes. Bon, les gars. Fais quoi là? Voilà, démarre-le là. Goal buteuse, Bouffon là, je sais pas ce qu'il fait là. Il est énervé ou quoi? Démarre-le là. C'est bon, il est bon. Voilà, Pikachu là. On redescend mentalement, on se calme. Ouais, je me calme. Je demanderai de vous calmer parce que de base, je vous avais demandé de. Il fait quoi lui là? Là, je pense que ça va être compliqué. Bah, en même temps, on voulait le raisonner, mais il nous a insulté direct, frère. Retourne-toi là. Oh, lui, les journées, la vie de ma mère. Fais quoi, retourne-toi là. Tiens le regard, retourne-toi. Calmez-vous. Rangez votre arme, s'il vous plaît. Et lui, il est condamné pour quoi? S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Ouais, je commence à se laisser ouvrir là. J'ai pas envie que ça se transforme en zoo là. Ouais, donc, s'il vous plaît, on se calme. On reste discipliné, s'il vous plaît. Sinon, vous allez encore faire des peines de prison plus lourdes. Fermez la porte. Si quelqu'un qui parle et qui fait n'importe quoi, je le mets en prison. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous faire visiter d'autre? Je vais vous faire visiter les véhicules, les véhicules. Je vais vous montrer le garage après là, je vais vous montrer premièrement la sortie. Donc ça c'est la sortie lorsqu'on doit emmener un détenu en travail d'intérêt général. Donc on l'emmène à la prison où vous êtes le gérant. Ouais, je fais quoi Bigali avec le vélo là? Ouais, il est gêné. Eh Biga, tranquille hein. Bigali, t'es pas au skatepark ici. Voilà, il et donc voilà, la place. C'est ici qu'on emmène ensuite les détenus pour les emmener à la prison fédérale. Ah, c'est une sortie de secours, quoi. Pour aller au garage, on va passer par le trottoir. Je vais vous demander de me suivre. Oui. Je suis Mach 4 de weed. Donc voilà, comme ça vous profitez un petit peu du paysage.
Fais quoi, la rigueur, si vous voulez, on va passer par ce petit endroit. Si vous êtes en escalade, comme ça, ça vous fait un petit peu d'exercice. Ah, Miguel, il faut le porter. Vas-y, vas-y. Ah, Miguel, viens. Arrête, je suis là pour vous rattraper. Mais le maman. Oh, les mecs, je monte pas, ouais, je déconne. Je suis là pour vous rattraper, voilà. Il y a encore du monde à récupérer. Ouais, le gros, il y a le gros aussi là. Allez-y, là, il va peut-être falloir s'y prendre à plusieurs. Eh hey, mademoiselle, venez là. Ouais, on tient. Sa mère. Eh hey, par contre, regardez pas ses seins. Non, tranquille. Oh le mytho, voilà. Il l'a touché et tout là. La Gisax qui l'a touché. Vous venez m'aider par contre parce que là. Oh, il a fissuré le mur. Oh putain. Putain, Miguel, il a cassé. Franchement, bien. Hop, et nous voici donc sur le parking. Donc si vous voulez, je peux vous présenter les véhicules qu'on vas-y, a à vas-y. Disposition. Ouais, bon, bah. Ouais, non, fais pas. Ouais, bon. Y'a pas des T-Max là? Alors, des T-Max, non, pour l'aller Speedy, c'est pas vraiment le plus approprié, mais. Voilà, il fait tout un chichi pour rien. En ville, vous avez des T-Max. C'est où la cantine? C'est où manger les burgers et tout? Je sais pas si ça sert. Y'a pas des kebabs là? Y'a pas des kebabs? Comme vous le sentez, monsieur l'officier. C'est vous qui voyez, c'est. Si, bah, je si vois qu'il y a une moto ont... ici ouais. Et qu'il y a quelques véhicules là sur le côté, vous montrez les prendre, des tester, véhicules attends. Et des motos. Si on peut alors, tester ça, en fait, la moto là. Alors ça, ce sont des véhicules pour principalement klaxon. Pour les motos. Klaxon, vous restez. Klaxon. Vas-y, klaxon. Faut se mettre en Y. Oui, c'est quoi la touche? En Y, en Y. Eh vas-y, en Y. En Y, je vous demanderai de descendre du véhicule. En Y, en Y, frère. Allez, descendez en Y. En Y. Ah, nique sa mère, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, DR4, c'est bon, tranquille. Oh là, il fait trop le malin depuis là. Range ton pénis, toi. Rangez vos trucs là, correctement. Bon, toi, tu vas dormir là. Je vais vous présenter juste le véhicule qu'on sert le plus, donc c'est le véhicule d'intervention rapide. Ouais, c'est donc, de quoi? Caronville, en fait, on a découvert qu'il y a un trafic de véhicules, donc ce sont des véhicules qui vont en général vite. Donc, on a à disposition un véhicule d'intervention rapide qui nous permet à ça également d'emmener les véhicules, les détenus en prison fédérale plus rapidement. Ouah, Bigali avec son poids, il a crevé les pneus. Ah ouais, c'est intéressant tout ça. Franchement, bien, vous êtes bien équipés. Hein. On peut rentrer là? Il est là. Ouah, c'est quoi ça? Je peux monter avec vous là? Donc voilà. Allez-y, montez. Vas-y, roule, roule. L'intérieur cuir et tout, Alcantara, bien. Vas-y, roule là. Ah, vous voilà, avez le GPS je vous en présente milieu, le véhicule d'intervention rapide, donc c'est la Lexus, hein, elle a une vitesse de pointe de 250 km. Ouais, ouais. Tu fais ce qui là C'est le véhicule ouais, c'est le plus ça. Rapide de descendez la ville, du véhicule, monsieur, sortez du toit. Allez, sortez du véhicule. Non, vous en faites pas, je leur ai permis de monter à l'intérieur, y'a pas de problème, monsieur. Donc voilà. Vas-y, tu peux pas faire un petit tour là? Je peux pas montrer le kilomètre. Et genre la vitesse max, c'est quoi? Ça malheureusement, je suis désolé, je peux pas. Je pense que c'était pas prévu par le directeur, donc voilà. On peut pas dire les. C'est un petit plus. C'est combien de chevaux vous avez dit là? Celle-là fait exactement 550 chevaux. C'est quoi? Quels chevaux? Ça pousse. Quels chevaux? Franchement bien. Alors attendez, si vous pouvez descendre s'il vous plaît, que je descende le véhicule. Eh, Chipeli, tu peux pas descendre moi là? Eh, Chipeli, descends. Rhabille-toi, mets un t-shirt. Pourquoi mettre tout nu là? Eh, mets un t-shirt là. Fais quoi toi? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'en ai aucune idée. On a fait le tour du poste, donc voilà. Bah, je pense que c'était une très très bonne visite. Merci, c'était une bonne visite. Merci beaucoup, monsieur là. Venez remercier l'officier. Remerciez l'officier. Venez remercier les gars, remerciez-le là. Oh, c'est quoi ça? Oh, fais quoi le Renoir, wesh? Ouais, putain, c'est trop chaud. Eh, hey, mais pas de l'essence sur mon corps, sale bâtard, va! Voilà, c'est quoi ça, wesh?